Et eh bien, bonjour à tous et à toute la famille YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'usine à faire. Alors, pourquoi deux parties Tout simplement, comme je l'ai dit dans la première partie, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que sinon, ben, vous ne pourrez pas continuer euh, l'usine à faire. Euh, deux parties parce que sinon, ben, je ne pourrais pas upload la vidéo. Donc, c'est deux parties à peu près de 30 minutes, je pense. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, les amis. Donc je le dis, si vous n'avez pas vu la première partie pour créer cette usine à faire, ben, cette vidéo ne vous sert à rien. Euh, il vous faut impérativement euh, faire euh, la première partie, enfin aller voir la première partie, parce que sinon eh ben vous allez vous embrouiller et vous ne pourrez pas faire euh, la seconde partie qui est vraiment très très importante et sûrement la plus importante pour créer l'usine à faire sur Minecraft et console. Donc je le répète, cette usine à faire marche pour Minecraft console, même sur Minecraft PC, mais euh, surtout pour Minecraft console, euh, je fais cette vidéo. Voilà les amis. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la partie la plus importante, le placement des portes. La plus importante, la plus sûrement l'une des plus longues et la plus chiante surtout. Voilà. Pourquoi Parce que tout simplement vous allez devoir casser, poser, casser, poser, casser, poser tout ça pour à la fin recasser tout et, et puis voilà. Alors pourquoi on va faire ce le placement des portes Tout simplement. Alors déjà je vais vous mettre le jour. C'est plus important. Voilà. Tout simplement pourquoi parce que on va créer un village là-bas. Voilà, on va créer un village là-bas qui va nous permettre tout simplement de créer plusieurs villages à ses alentours ici. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti. Alors pour ça, il va vous falloir déjà 63 blocs. Et c'est très très important ce chiffre. 63 blocs. Pourquoi Parce que en fait, ces 63 blocs vont nous délimiter l'espace euh, qu'il y a entre euh, le village qui est là-bas et les villages qui vont être ici. Voilà. Donc, pour ça, vous allez tout simplement prendre un stack et vous allez vous mettre en, euh, en, en survival. Voilà, vous mettez en survival et vous ajoutez un, un bloc de cailloux. Donc, j'ai pris des blocs de cailloux, mais ça peut être autre chose. Il hein, n'y a pas de souci sur ça. Moi, je vais me mettre en euh, mode fly. Ça sera beaucoup plus simple pour moi euh, de voler. Donc, fly, c'est ici. Voilà. Et je vais également me mettre. Euh, voilà, ça. Donc voilà. Et donc vous allez poser 63 blocs et donc euh, je suis ici. Hein. Donc là, nous avons notre flèche euh, qui indique le nord et donc moi je me mets donc je vais me mettre en face pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, il y a la flèche du nord. Hop, je me décale vers la gauche, tac et je vais me mettre ici à l'ouest. Et vous mettez donc sur la première ligne de couleur qui est ici donc la ligne foncée et vous allez donc poser 63 blocs. Hop, donc on va poser les 63 blocs. Quand il en aura plus, ben, ça veut dire qu'on aura tout simplement posé le bon chiffre. Et c'est très très important, les amis. Il ne faut pas, faut pas se, se tromper sur ce chiffre-là. Sinon, euh, ben, ça ne va pas marcher. Voilà, tout simplement. Tac, voilà. Donc j'ai plus de blocs dans ma main. Donc j'ai posé 63 blocs. C'est nickel. Je vais repasser hop, en créatif. Euh, hop, voilà. Tac, je passe en créatif. Et le 63e bloc, donc le bloc de cobblestone, je le casse et je le remplace par un autre bloc. Voilà, très très important. Ici, vous allez tout simplement tracer une ligne. Donc, voilà, vous, vous tirez une ligne jusque long, longtemps. Il va falloir arriver tout simplement à la dernière ligne qui est située là-bas. Donc, on va essayer de, de faire au jugé. Tac, voilà. Bon, bien sûr, il hein, ne faut pas que ce soit au jugé il faut que ce soit vraiment très très précis. Très très précis, pardon. Donc, pour ça, on va tout simplement prendre une carte. Tac, voilà. Hop, on se met là. Et on regarde. Voilà. Donc on a 42. Euh, voilà. On est à X42. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Enfin, je me suis trompé. Il faut partir de là. Il faut partir d'ici. Donc ça va être cette ligne-là, euh, la fin euh, de la ligne de là-bas. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris ce que je veux dire. Ici, ça va être tout simplement le dernier bloc qui va être situé sur la ligne de là-bas. Donc là, on est à 41. Donc. On me met bien au milieu. Hein, voilà. On est à 41. Ici, 42. Là, 40. Voilà. On est à 41. Donc, il faut que là-bas, le dernier bloc soit à X41. Et c'est ici. Voilà. Donc, là, on a X42. Donc, on le casse. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est nickel. Maintenant, on se dirige là-bas. On va monter de 3 blocs de hauteur. Tac. On casse cela. Et on va faire une ligne de 2. Voilà. J'ai posé un bloc sur le côté. Et on fait. On retire une ligne. Donc, ça va être le toit, tout simplement. Hop on le tire jusqu'au bout, voilà, hop, non, là on casse, voilà, hop, voilà, nickel, tac, ça c'est nickel les amis, ensuite on va tout simplement se diriger donc, au début de la ligne, et on va tout simplement compter 15 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Ici, nous allons tout simplement mettre un bloc là. Bloc, 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 bloc. Hop, celui-là, on le casse. Hop, hop, hop et hop. Et on positionne un villageois à l'intérieur. Voilà. Donc quand vous avez positionné le villageois, c'est nickel, les amis. Un petit conseil pour les personnes qui vont créer cette usine en survie surtout n'oubliez pas, les amis, c'est très très important de mettre des torches tout le long, parce que s'il y a des zombies qui spawnent et qui cassent les portes, et eh ben l'usine est fichue. Voilà. Donc je vous explique un petit peu les règles maintenant, parce que on va commencer euh, la, la truc qui est un petit peu plus compliqué. Donc, je vais reprendre de la cobble. On va déjà faire un tour de, de garde, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous, faire, vous faites le contour de votre bloc avec un autre bloc quelconque. Hein. Voilà. Nickel. Hop. C'est nickel. Voilà. Ok. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à mettre encore des torches. Hein. Comme je l'ai dit, les amis, c'est très, très important. Pour les villageois, pour pas que les zombies spawn. voilà, donc ça suffira. Maintenant, les amis, nous allons tout simplement nous attaquer aux portes. Donc là, ça va être vraiment euh, très très chiant, très très long. Donc il faut surtout bien suivre et euh, ne pas faire de bêtises. C'est vraiment très très important, les amis, parce que j'ai pas envie que vous foirez et que euh, en commentaire vous me dites, eh ben ton usine ne marche pas ou quoi, voilà, il faut bien suivre. Donc vous prenez des portes, donc je vais prendre une porte, hein, moi ça me suffit, donc. Je vais prendre une porte en bois normale. Vous pouvez prendre d'autres portes, mais bon, les portes comme ça, ça suffit. Et surtout que maintenant, elles sont stackables. Donc voilà, elles sont stackables beaucoup en plus. Hop. Voilà. Ah merde. Ok, j'ai fait une connerie. Voilà. Nickel. Ok. Donc ça, c'est nickel, les gens. Maintenant, nous allons tout simplement euh, positionner. Donc. Euh, alors attendez que je réfléchisse. Euh, voilà. Donc. Vous allez positionner une porte ici pour voir que là on est on est bien sur ce bloc donc c'est pour cela qu'on avait fait les blocs de couleur hein, enfin les, les lignes comme ça pour positionner les portes donc vous mettez une porte ici hop voilà et vous allez vous rendre là-bas Tac, nickel, voilà Maintenant vous allez poser sur, vous allez poser pardon, une porte ici Voilà pas ici mais ici c'est très très important Donc vous la posez et ensuite vous posez cette porte là voilà, nickel. Donc là, normalement sur PC, avec le logiciel, eh ben, on pourra voir qu'il euh, y a une. Il y a une ligne qui s'est formée jusqu'à là-bas pour dire qu'on a bien positionné la porte. Voilà. Nous, sur console, ben, on n'a pas les modes, hein, donc on ne peut pas savoir. Mais si vous suivez bien ma vidéo, euh, eh ben, ça va marcher. Parce que comme je l'ai montré dans la première partie de la vidéo, dans les 10 premières minutes, eh ben, j'ai montré que l'usine marchait très très bien. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, les amis, c'est nickel. Ensuite, vous allez vous rendre là-bas. Hop et vous prenez une torche de Redstone. Pourquoi une torche de Redstone La torche de Redstone va vous servir de repère. Parce que tout simplement, vous allez vous positionner à deux blocs d'espace de, euh, de la porte qui est située ici. C'est-à-dire que là, vous avez votre porte, ici un bloc, et là le deuxième bloc. Et c'est ce deuxième bloc qu'il vous faut. Vous positionnez donc votre torche au deuxième bloc de la porte, et euh, tout simplement, vous allez, euh, vous allez casser cette porte donc vous cassez la porte tac et vous mettez une porte derrière la torche donc derrière le repère et vous continuez voilà vous faites bien ça les amis vous faites bien ce que j'ai fait dans la vidéo là ce que je viens de faire c'est très très important donc vous cassez cette bloc euh, cette porte hop et vous mettez donc derrière ce repère donc il y a deux blocs d'espace de la porte hein. vous le mettez hop vous mettez une porte derrière et vous revenez à l'espace du départ qui est ici donc là c'est bien euh, le départ enfin l'arrivée des portes maintenant voilà, quand vous avez fait ici, et eh bien tout simplement vous rendez de l'autre côté et vous faites pareil. Vous rendez à deux blocs d'espace de cette porte là. Vous mettez un petit repère, vous cassez les portes. Donc les portes, euh, vous les cassez dans. Euh... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, vous les cassez dans ce sens là. Donc hop, hop, voilà, nickel. Et maintenant, donc vous reprenez les portes, tac, 1, 2, 3. Voilà, quand vous avez fait ça, c'est nickel. Alors je vais. Ouais, euh... Non c'est bon c'est bon Voilà Quand vous avez fait ça donc vous faites pareil de l'autre côté donc bien sûr je vais le faire pour vous hein, mais sinon moi je vais le faire de mon côté par la suite Donc là vous pouvez casser la petite torche Tac vous positionnez à deux blocs d'espace Hop vous cassez les portes dans ce sens là C'est à dire celle qui est plus proche de la de la torche hein. Vous cassez hop hop et vous mettez derrière Tac 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 et tac Voilà c'est nickel Vous faites pareil de l'autre côté Hop deux blocs d'espace et on casse derrière. Voilà. Hop. Et vous positionnez les portes. Très très important. Et ensuite donc je le refais une dernière fois. Donc vous cassez derrière la torche, hop, d'espace, deux d'espace de la torche, vous cassez euh, les portes maintenant, hop, 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 vous positionnez la porte derrière, vous allez jusqu'au bout et voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et je vais vous expliquer ensuite un truc. Euh, donc, vous cassez la torche, deux blocs d'espace, on casse les portes. Hop, et on remet une porte derrière. Voilà. Ok, maintenant, donc je pense que vous avez compris. Donc, vous faites ça tout le long. Et puis voilà. Un truc très très important que je dois vous dire, les amis, c'est par exemple, vous positionnez donc la torche à deux blocs d'espace. Mais si par exemple, au lieu de casser cette première porte, vous cassez euh, par exemple celle-ci, et eh bien c'est mort. Il faut tout recommencer du début. Pareil de l'autre côté, si par exemple euh, vous positionnez donc une porte, je ne sais pas, par exemple vous la décalez d'ici, ce n'est pas bon. Il faut que ça soit toujours en décalage de cette porte parce que vous allez voir que la porte qui est ici va être décalée de, de celle-là là-bas. Donc ça c'est très très important. Il faut vraiment suivre le, le, le bon rythme. Enfin pas le bon rythme mais, mais le, le bon sens des portes. Du, même des portes qui sont cassées et tout. Là par contre au-dessus vous pouvez mettre des torches parce que sinon... Voilà quoi. Voilà, Donc il faut vraiment suivre le truc que j'ai fait dans la vidéo les amis parce que sinon euh, eh ben, les portes ne vont pas se relier avec les autres portes ça va faire des faux villages et ça ne va pas être bon du tout. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris les amis. Euh, en tout cas n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, je pense que j'ai bien expliqué. Donc voilà, donc moi je vais faire ça de mon côté et euh, on se retrouve de suite après. Voilà, allez à de suite. Ok les amis, donc on se retrouve euh, donc voilà, après j'ai terminé donc de positionner les portes hein, comme je vous l'ai bien expliqué. Euh, tout simplement, euh, je ne sais pas si je voulais expliquer au début, je crois que je me suis trompé, j'espère pas. C'est tout simplement qu'au début, vous savez, les portes, euh, quand on les a placées, et dans l'ordre qu'il faut casser, c'est bien sûr euh, de... Par exemple, ici, donc là, vous avez votre torche. Hein. Donc voilà, là, vous avez eu votre torche. Tout simplement, c'est dans l'ordre là. C'est-à-dire euh, la porte le plus près. Euh, de la torche il faut casser en premier voilà et pas la plus éloignée donc c'est vraiment c'est à dire que là imaginons donc vous avez eu votre euh, voilà vous avez au début hein, on va dire que vous n'avez pas les toutes ces autres portes vous avez eu que ces deux portes hein. voilà c'est tout simplement que euh, la, la torche elle est éloignée donc de blocs ça je l'ai bien expliqué mais tout simplement cette porte là elle est détruite en premier donc vraiment pareil que là bas hein. c'est pareil de partout euh, pareil là aussi, vraiment pareil. C'est pour bien que vous ayez un, un petit repère comme quoi est-ce que c'est celle de gauche, celle de droite qu'il faut, euh, qu faut euh, détruire. C'est tout simplement la torche, enfin la porte qui est le plus proche de la torche. Voilà, tout simplement, et pas le, le plus éloigné. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, les amis, c'est nickel. Donc vous pouvez voir que ici, et eh ben, tout simplement, nous avons juste une, une ligne d'espace. Donc voilà, donc il n'y a pas de porte parce que c'est décalé. Euh, et tout est bien fait. Donc si vous avez tout bien fait, eh ben vous ne pouvez pas savoir si ça marche encore. Mais tout simplement, vous cassez toutes les portes. Donc vous pouvez le casser dans n'importe quel sens. Hein, Ce n'est pas un souci ça. Donc vous cassez toutes ces portes qui sont situées là. Voilà, hop, voilà, c'est nickel. Et tout simplement, donc ici, nous avons créé. Un, euh, une sorte de village tout simplement qui va nous permettre donc de relier les autres villages avec les portes qui sont là. Donc on a bien créé euh, le village, il est relié, mais euh, on n'a pas encore positionné les portes. Donc on va dire qu'il n'est pas relié vraiment. Voilà, en tout cas, dans les codes du jeu, il est relié. Voilà, tout simplement. Donc maintenant nous allons faire pareil ici. Donc voilà, dans ce sens, donc dans le sens, dans le sens euh, du nord. Donc vous allez vous remettre. Enfin, vous allez reprendre euh, un stack de cobble. Donc hop. Voilà, nickel. Vous reprenez un stack de cobble. Hop, je jette un, un bloc. Donc il faut que ça fasse 63. Vous remettez donc en, en survie. Voilà. Et vous vous positionnez ici. Donc c'est-à-dire tout à droite. Donc à la dernière ligne. Ici de hardonite Clé clair. Et tout simplement, vous allez refaire donc une ligne de 63. Hop. Voilà. Donc on refait une ligne de 63. Hop. Voilà nickel, donc ça par contre je vais me remettre en créatif. Voilà, ça on va le casser un petit peu parce que sinon, eh ben euh, voilà, ça va pas trop marcher. Hop, allez, on casse un petit peu. Ok, c'est nickel. Donc maintenant, vous allez faire comme de l'autre côté, tout simplement. Le, euh, le dernier bloc, vous allez le casser et le mettre à un autre bloc quelconque. Et cette fois-ci, vous allez faire une longueur de 16. Donc là, ce premier bloc, on le compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez tout simplement faire un toit. Donc vous, vous montez de 3 blocs de hauteur. Tac, vous cassez ici. Et vous allez vous mettre derrière. Donc vous allez faire pareil que de l'autre côté, tout simplement. Hop, vous faites ça tout le long. Voilà. Nickel. Et vous arrêtez bien sûr au bout. Ok, donc ça quand c'est fait. C'est nickel les amis. Vous allez tout simplement prendre votre bloc de cobble et vous allez refaire le contour. Donc d'ici. Vous faites le contour. Hop. Voilà nickel. Donc bien sûr, n'oubliez pas à positionner. Donc mettre à de mettre des torches. C'est très très important si vous êtes en survie pour pas que les zombies ne puissent spawner. Hop. Pour les villageois ou même pour les portes hein, c'est vraiment très très important les amis donc bien sûr hein, les amis ne détruisez pas euh, ce que vous avez créé là bas c'est très très important vous allez le garder tout le long euh, de votre usine voilà donc ça quand c'est fait tout simplement vous allez vous mettre au huitième bloc donc 1 2 3 4 5 6 7 8 c'est ici hop vous vous mettez au huitième bloc tac faites ça 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 vous allez faire tout simplement une cellule pour votre villageois hop et vous mettez un villageois voilà maintenant vous allez tout simplement faire le placement des portes comme là bas donc pour ça vous allez tout simplement mettre une porte hop vous mettez une porte ici euh, alors attendez c'est ici oui c'est ici voilà vous mettez une porte ici hop vous vous dirigez là bas tac et vous allez mettre une porte ici un hein. pas ici les amis pas en face de de la ligne de, de bloc, vous la mettez ici, vous la décalez, et ensuite, vous la mettez ici. Voilà. Ensuite, vous vous dirigez là-bas. Tac, vous positionnez donc votre torche de repère à deux blocs de la porte, hein, voilà, comme ça. Tout simplement, vous cassez votre, votre porte et vous positionnez donc une autre porte derrière votre torche de repère. Voilà, dans ce sens-là, bien sûr, hein, donc de droite vers la gauche. Vous allez de l'autre côté. Hop, vous positionnez une torche à deux blocs de cette porte. Vous cassez donc la porte qui est la plus proche de la torche, donc celle-ci. Hop, tac, dans ce sens-là. Et vous positionnez donc de gauche à droite. Voilà, nickel. Vous faites pareil de l'autre côté une dernière fois. Et ensuite, je ferai une petite ellipse. Hop, torche de repère à deux blocs. On casse les portes. On en positionne une derrière. On fait ça tout le long. Hop. Tac. On met une torche de repère. Tac. On casse les portes. Hop. Et on en met une derrière. Tout le long. Voilà. Euh, une chose que, que j'ai oublié de préciser sûrement, c'est tout simplement que si vous mettez une porte et hop, vous position... Enfin, vous allez directement à ce bloc là euh, sans passer par celui-là avec euh, donc il y a un espace hein, et bien c'est mort il faut tout recommencer même à partir de là bas donc voilà c'est très très important faites le tranquillement les amis parce que sinon vous allez vraiment passer beaucoup de temps sachant qu'en survie je crois qu'il faut à peu près euh, 6 à 7 heures si vous le faites tout seul donc voilà faites le faites le tout seul voire à deux parce que à 3 à part peut-être pour la construction euh, de là hein, ça suffit mais après pour les portes faites le tout seul parce que sinon si vous vous embrouillez ça va être le bordel dans votre tête voilà, enfin, dans vos têtes parce que vous êtes plusieurs. Voilà les amis, donc moi je le fais hors caméra et on se retrouve quand j'aurai terminé. Allez à de suite. Ok les amis, donc on se retrouve euh, maintenant sûrement pour la dernière étape donc euh, de l'usine à faire. Je vous ai dit les amis, c'est très très simple. Tout simplement donc quand vous avez positionné donc toutes vos portes, vous pouvez voir que ici donc comme là-bas, hein, donc ici il y a une ligne euh, qui, est, qui est laissée. Donc maintenant vous cassez toutes ces portes qui sont situées ici. Voilà. Et maintenant on va attaquer la dernière étape donc de l'usine à faire. C'est vraiment très très simple les amis. C'est juste que là, ça va être assez bon. Tout simplement, donc là, vous avez. Je vais vous mettre un, Voilà. Nickel. Tout simplement, les amis, ici, donc la dernière ligne que je vous ai dit, où il n'avait pas de porte. Vous mettez une porte ici. Voilà. Et tout simplement, cette porte va rejoindre euh, cette, euh, la, porte, euh, la dernière porte qui est située là-bas. Quand vous avez posi positionné pardon, cette porte, donc bien sûr, hein, là je suis sur le petit truc, hein, je ne suis pas sur le, le gros truc là-bas. Quand vous avez posi positionné, pardon, j'arrive pas à le dire, quand vous avez positionné donc, cette porte-là, vous vous dirigez donc derrière, tout au fond, tac, et vous commencez à mettre les portes. Voilà, tout le long. Hop, vous en mettez tout le long. Nickel. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez tout simplement en diagonale, donc c'est-à-dire là-bas. Tac, voilà. Et vous commencez à en mettre. Là aussi, voilà. Là, vous pouvez partir carrément du fond. Il n'y a pas de souci. Et si par exemple, vous sautez une porte, c'est pas grave du tout, les amis. Vous pouvez, imaginons, hop, il y a une porte qui a sauté. Hop, vous pouvez la replacer. C'est pas grave du tout. Euh, par contre, là, je ne pourrais pas vous dire si par exemple il euh, y a une porte qui saute. Euh, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, sachez que normalement, si la, porte, la première porte est placée ici, il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà. Tout simplement les amis donc quand vous avez fait ça et eh bien vous faites pareil donc vous, vous mettez euh, une première porte ici vous dirigez vers le fond hop vous remettez des portes tac vous allez en diagonale vous partez du fond tac hop voilà nickel vous refaites pareil donc bien sûr je vais faire une petite ellipse hein. c'est juste pour vous montrer vous allez au début ensuite vous allez au fond tac hop voilà. Et vous faites pareil. Donc ici, voilà. Et donc vous faites ça tout le long, les amis. Vous faites ça tout le long, donc jusqu'ici. Et quand vous avez fini, on se retrouve pour faire le dernier truc pour là-bas. Voilà. Allez à de suite. Ok, les amis. Donc on se retrouve. Donc voilà. J'ai terminé de placer les petites portes, les amis. Donc voilà. Ça c'est nickel. Euh... Donc voilà. Donc vous avez bien positionné les portes, voilà, tout est rempli, tout est nickel. Ne détruisez pas encore ce qu'il y a au fond, on le détruira à la fin, voilà. Et maintenant, on va s'attaquer donc ici. Mais juste avant, nous allons tout simplement positionner. Enfin, nous allons mettre encore des petits villageois dans les cellules. Donc pour ça, nous allons en mettre 8. Donc au total, cette usine prendra... Euh, alors attendez. Euh, que je calcule. Donc ça fait 8. Euh, donc. 16. 24, 24 et 26. Normalement, il prendra que 26 villageois. Donc là, vous mettez 8 villageois dans cette cellule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Hop. Vous en mettez également 8 dans celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'en étais sûr. Donc là, on était à 6 villageois. Il va nous falloir tuer des petits villageois, donc on va devoir en tuer un ou deux. Tac, voilà, si vous avez ce souci, hein, rendez-vous dans des... Euh, voilà, ici il y a un hein, villageois par exemple. Hop. On va prendre une potion de dégâts. Hop. Voilà. Normalement deux, ça suffira. Hop. On se redirige là-bas. Donc euh, on en était où euh, on en était ici, non, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, on en était là. Donc, oui, hop, vous remettez donc, les villes à voix, donc 7 et 8. Voilà, donc là vous avez 8 villes voix dans chaque cellule, enfin vous en avez plus, vous en avez 12 précisément parce qu'au début vous en avez mis 4 à l'intérieur. Donc vous en avez 12, 12, 24, donc 26 également, un là-bas et un là-bas. Donc ça nous fait 26 villes à voix pour cette usine, voilà. Tout simplement, les amis, maintenant, nous allons terminer la dernière épreuve, donc, fatidique de, euh, de cette usine à faire, les amis. Tout simplement, ici, donc, vous rendez ici, donc, c'est-à-dire à gauche, enfin, euh, plutôt à droite en regardant dans cette, euh, dans cette direction, donc, tout à gauche, hein, voilà. Vous rendez ici et tout simplement, vous allez faire comme là-bas, donc, tout simplement, vous allez prendre votre porte, vous la mettez ici, vous rendez derrière, tac et vous positionnez les portes jusqu'au bout. Hop, voilà. Et tout simplement, vous rendez en diagonale encore là-bas. Tac, vous rendez en diagonale, vous rendez ici, et vous mettez au fond, et vous faites pareil, tout simplement, les amis. Voilà, vous faites ça tout le long. Tac, on se remet au début, ensuite on va au fond. Hop, voilà, on retourne en diagonale. Tac, Et voilà, donc vous faites ça tout le long les amis et ensuite on se retrouve pour la dernière étape donc pour euh, faire la zone de, de réception des golems. Voilà, allez à de suite les amis. Ok les amis donc ça y est nous avons fini notre usine les amis Nous avons tout simplement terminé donc notre Iron Foundry sur Minecraft console les amis euh, Le seul truc qui nous reste à finir c'est tout simplement de détruire les portes qui se situent ici voilà, donc on détruit ces petites portes, les amis, ça ne sert plus à rien. Voilà. On va là-bas également. Hop. Voilà. Un, un seul petit conseil que je vous dis, les amis, avant de détruire ces portes. Voilà, c'est que j'ai oublié de vous le dire. Avant de détruire ces portes, essayez de sauvegarder et de dupliquer. Donc si vous êtes sur. Euh, euh, non, je crois que sur n'importe quelle version, ça marche. Hein. Euh, je ne sais plus si sur Xbox 360 ça marche ou pas. En tout cas, essayez donc de, euh, comment vous dire, de, copier, voilà, de copier votre map euh, pour savoir eh ben, si ça marche ou quoi. Parce que si vous détruisez là-bas, ben, il faut tout recommencer. Et c'est très très long, les amis. Donc voilà, donc avant de détruire là-bas, eh n'hésitez ben, pas à, à essayer pour voir euh, si ça marche. Ok, les amis. Donc maintenant, nous allons tout simplement faire notre trou. Donc tout autour de ce bloc, vous faites un petit trou. Hop. Voilà, vous descendez. Nickel. On va faire le trou là hop voilà donc là vous faites euh, un, un tube hein, tout simplement voilà hop qui va nous permettre tout simplement donc de diriger donc les golems de fer à l'intérieur et de les faire mourir voilà tout simplement les amis donc bien sûr on peut faire ensuite un détecteur enfin euh, euh, un système qui va nous permettre donc tout simplement de euh, déjecter les poppies hein. donc il y en a plein sur youtube donc, n'hésitez pas à aller voir au cas où. Mais si vous voulez, je peux en faire un également. Donc, pas bien sûr dans la vidéo là, mais euh, je peux en créer un. Hop Voilà, c'est bon, ça ira. Ok, donc... Euh, bah, attendez, on va faire le dernier tour. Voilà, nickel. Voilà, donc maintenant, vous avez tout simplement... Euh, vous prenez donc des hoppers. Hop, voilà on va remonter ici, voilà, nickel, hop, voilà. Et vous prenez par exemple ici, ça va être la sortie, donc hop, tac. Et ensuite, vous allez toujours dans la direction donc de ce hopper, hop, voilà, tac, hop, voilà, nickel. Et tout simplement, donc là, on va prendre euh, des pancartes et on va mettre des pancartes à ce niveau-là. Voilà, hop. Voilà, nickel. On prend un seau de lave. Donc un seau de lave qui est ici. Nickel. Hop, là voilà, par contre. Voilà. Hop. On alimente. Et c'est bon, les amis. Voilà. On peut sortir. Hop. Tac, ça c'est bon. Bon, bien sûr, il faut mettre un coffre de réception euh, là-bas. Et maintenant donc on va positionner l'eau donc pour positionner l'eau les amis c'est très très simple vous prenez tout simplement vous mettez un bloc enfin vous mettez euh, vous faites des angles comme ça hop voilà dans, dans chaque angle donc de, de l'usine vous prenez un seau d'eau hop nickel vous mettez euh, de l'eau à ce niveau donc sur tous les côtés hop voilà tout le long vous mettez de l'eau voilà hop. Non, ça ne va pas au milieu. Voilà, ça s'arrête pile. Hop. Et voilà, tout simplement, les amis, vous mettez ensuite le dernier bloc d'eau à ce niveau-là. Donc au-dessus. Voilà. Voilà tout simplement les amis. On a fini donc l'Iron Foundry, les amis. Vous avez tout simplement terminé donc, cette usine à faire. Euh, donc voilà, donc, euh, ce tuto, ben, je pense qu'il a été enfin il a été assez long, c'est vrai qu'il a été assez long. Mais bon au moins euh, vous avez compris. Euh, et cette usine, donc vous pouvez la créer chez vous les amis, comme vous aurez pu le voir hein, dans le début de la vidéo de la première partie, il euh, y a bien des golems qui ont spawné, c'était bien l'iron Foundry, c'était la même usine. Euh, et puis voilà, donc là on a recréé la même à l'identique les amis, voilà. On a créé la même. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, enfin cette petite plutôt cette grosse vidéo, je crois que c'est l'une des plus grosses sur ma chaîne euh, des vidéos. Ben j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir euh, pour tout ce temps et surtout pour cette usine euh, qui marche enfin sur Minecraft Console. Voilà les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rendez-vous à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Console. Voilà, bisous à tous et ciao tout le monde.